Mi estis contenta. Vin revidi. Ĝis. C'était qui? Un pote estonien. Tu parles estonien, toi? Non, c'est trop compliqué, l'estonien. C'était de l'espéranto. De quoi? De l'espéranto. C'est une langue et je l'apprends. Tu l'apprends? T'es folle. Attends, c'est super facile, l'espéranto. Regarde. Orto, zéro. Exception, nada. Verbe régulier, il n'y en a pas. C'est super facile, je m'amuse. Pas de verbe irrégulier. C'est possible, ça? Mais oui, puisque je te le dis. D'accord, d'accord. Et il y a des gens qui parlent cette langue au moins. Des potes espérantistes, j'en ai à peu près partout, en fait. En Pologne, au Portugal, en Allemagne, en Espagne. Partout dans l'Europe, quoi. C'est génial, ça. Pourquoi ils nous la prennent pas au bahut, on serait trop chaud? C'est vrai. Je sais pas. Peut-être qu'ils savent pas, en fait. L'espéranto est une langue qui s'apprend 10 fois plus facilement que l'anglais. Grâce à elle, j'ai découvert que je pouvais parler une langue étrangère couramment. Avec l'espéranto, je voyage, je fais des rencontres, des découvertes, j'ouvre des horizons. Avec mes amis, on est tous à égalité. On se sent vraiment européen. Moi, j'ai envie d'une Europe avec une langue commune, accessible à tous, pour nous unir dans notre diversité. Avec l'espéranto, donnons une âme à l'Europe. Le 9 juin, votons Espéranto, langue commune. Incroyable l'espéranto. Madame, vous connaissez l'espéranto? Désolée, je ne parle pas français.